Bonsoir, bonsoir. Ah! Je suis content d'être là. Hey, un tonnerre d'applaudissements pour Anthony Rimiard qui fait un job correct. Man! Honnêtement, vous me faites tellement plaisir d'être là. Ce show-là, on était supposé le capter il y a un an, mais il y a eu une calisse de pandémie, tabarnak, de crise de calisse de cul. Sérieusement, ça n'a pas de sens. J'ai rien fait de cette pandémie-là à part prendre du poids. Honnêtement, j'ai des masques qui me font pu. J'ai rien fait de ma pandémie. J'ai appris à faire le cube Rubik, puis j'ai lu 2 livres. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai lu la biographie de Barack Obama. Et ça, honnêtement, c'est magique. J'ai appris là-dedans que Barack Obama, les 8 ans qu'il est au pouvoir, le gars, il a donné son salaire. Il a fait 8 ans à Maison-Blanche comme bénévole, puis je me disais, il va falloir qu'on s'en rappelle, là. Parce que, tu sais, des fois, l'histoire, on s'en rappelle tout croche. Puis moi, j'ai juste peur que dans 100 ans, on se rappelle juste que les États-Unis, leur premier président noir, ils l'ont pas payé. L'autre livre que j'ai lu, c'est le pire livre à lire en pandémie. J'ai lu le journal d'Anne Frank. Pire, lisez pas ça en pandémie, câlisse. C'est une petite fille qui est enfermée durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je lisais ça, j'étais comme, qu'est-ce qui est pire, avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale ou le fait que ton père a publié ton journal intime? C'est quand même évident. Puis à la fin du livre, j'ai tellement trouvé ça bon que je me disais, une chance qu'il est décédé. Sérieusement, imaginez la pression qu'elle aurait eu d'écrire un 2. Ça. OK, on dirait qu'il y a du monde qui sont choqués un peu, là. Ça va être de même tout le long, là. C'est juste... La fin du show, c'est que je me suicide à la fin, là. C'est vraiment ça, OK? Puis, en passant, je sais que je serai jamais connu en faisant des jokes de suicide, là. Mais moi, ça me dérange pas. Je cherche pas à être connu, pour de vrai. C'est pas un but dans la vie. Moi, je suis sorti de l'école de l'humour, puis avec un fan, j'étais heureux. J'ai rencontré mon premier fan en sortant de l'école de l'humour. Puis l'école de l'humour, j'avais trouvé ça tough. Parce que l'école de l'humour, c'est 14 000 $ pour décevoir tes parents, OK? C'est beaucoup d'argent. Et à un moment donné, un jour, après un show qui a mal été, je filais pas, puis je suis rentré dans un pawn shop. Et le gars du pawn shop m'a reconnu, m'a dit hey, « Excuse-moi, c'est toi Charles Deschamps? » J'ai fait « Aïe aïe, j'étais un humoriste, le gars m'a reconnu. » Ça m'a rendu heureux. La seule affaire qui est triste, c'est qu'à ce jour, quand je vois pas bien puis que je suis malheureux, je retourne me refaire reconnaître par ce gars-là au pawn shop. C'est triste en tabarnak, là, tu sais, mais... Je me dis, il y a du monde qui mange leurs émotions, d'autres qui boivent, moi, j'ai pound, OK? C'est correct de même, puis... Pour de vrai, durant la pandémie, je filais pas, j'étais 1000 fois à ce pawn shop-là. Mais il y a une chose que j'ai aimé de la pandémie, c'est que je me suis rapproché de mes amis humoristes pas connus, comme Anthony Rimiard, Pascal Cameron et compagnie, c'est... Non, mais nous autres, on dit pas qu'on est des humoristes pas connus, on dit qu'on est des humoristes underground, OK? Hey, puis on se la pète avec ça, là, on est comme hey, « moi, j'en ferai jamais des pubs à TV, moi, j'en ferai jamais des quiz à TV, moi, je suis un humoriste underground. » Mais il y a déjà quelqu'un qui me dit « Charles, on t'en a-tu déjà offert des pubs et des quiz? » Et j'ai changé de sujet. OK? Ce qui est drôle, c'est que l'année passée, ma gérante m'appelle, elle me dit « Là, Charles, on est en pandémie, j'ai un contrat pour toi, s'il te plaît, accepte-le. » Puis je suis comme « Mais c'est quoi? » Elle me dit « On aimerait ça que tu aies écrit des jokes pour l'île de l'amour. » Je suis comme, fuck off, non. Si je suis un humoriste underground, si je ferais pas ça. Puis comme, pense-y, Charles, 2 mots Mexique, la bière est à cause. Tu vas aimer ça? Je suis comme, non, je suis un humoriste underground. Elle me dit, on va te donner 20 000. Je suis comme, ça où les tacos, OK? Puis je suis parti à l'île de l'amour, 2 mots, écrire des jokes de bikini. Puis c'est, tu sais, honnêtement, 20 000 piastres, c'était la moitié de mon année, j'étais fucking heureux, mais je me sentais un petit peu pute, OK? Fac. Je me suis dit, il faut que je dépense cet argent-là d'une manière un peu niaiseuse. Fait que j'ai acheté une montre à 300 $ que je me suis dit que je vais aller donner au gars du pawn shop qui est mon premier fan. Ouais. Puis j'étais arrivé au pawn shop, j'étais tout content d'y donner une montre. Puis il me dit, hey Charles, comment va ton frère Julien? Puis je suis comme, comment tu connais mon frère? Fait que, ben, on allait ensemble au secondaire. Fait que mon premier fan, c'est même pas mon premier fan. C'est un gars qui allait à l'école avec moi que je me rappelais pas. Puis ça m'a mis en tabarnak. Je suis comme, dude, ça fait genre 8 ans que je t'achète des jeux de PlayStation parce que je pense que t'aimes mon humour. Lui, il était comme, tu fais de l'humour. J'ai pawné la montre. C'est fucking triste. Moi, j'adore faire des jokes heavy, puis je sais que ça me rendra jamais connu, puis c'est pas grave, mais c'est juste que, tu sais, des fois, c'est tough pour les humoristes de la relève, parce qu'on a comme 2 choix dans la vie. Soit qu'on fait des shows dans les bars, ou on fait la première partie d'humoristes plus connus. Et moi, c'est correct, mes jokes en première partie de Mike Ward ou en première partie de Maxime Martin, mais l'année passée, on m'a demandé de faire la première partie de Lise Dion.
Et je veux pas chialer sur son public, mais la moyenne d'âge est dans les trois chiffres. Qu'est-ce que c'est? Il y a plus de têtes blanches dans un show de Lise Dion que dans un rallye du KKK. Vous riez pas, ce joke-là? Imaginez son public, comment ça... Mais pour le vrai, c'est même pas le pire show que j'ai vécu la première partie à Lise. Le pire show que j'ai vécu, je pense que c'est moi qui ai vécu le pire show dans tous mes amis humoristes. Et ce qui me fait de la peine, c'est que ça s'est passé à mon école secondaire. Je venais de sortir de l'école de l'humour, mon directeur il m'appelle, il est comme « Bonjour Charles, c'est Monsieur Robert ». Je suis comme « Hey, j'ai rien fait, OK? » Et là, il me dit « On aimerait ça t'engager pour que tu viennes faire un spectacle à l'école. » Moi, je suis comme « Attends une minute, toi, là. Tu m'as sorti de toutes mes cours à cause que je disais des niaiseries en classe. Là, tu veux me payer pour que je vienne en dire. Dis-moi que j'ai gagné, puis je viens gratis, OK? » Et la journée du show, j'ai vraiment hâte d'aller faire un show dans mon école secondaire. J'arrive au secrétariat, c'est une nouvelle secrétaire, on se connaît pas. Puis elle me dit « Excusez, monsieur, est-ce que c'est vous qui venez faire la conférence sur le suicide? » Je suis comme « Ciboire! » À quel point qu'il pensait que j'étais mauvais pour m'annoncer comme une conférence sur le suicide, OK? Mais là, le contrat, c'est 600$. Moi, je viens de sortir de l'école, moi, j'ai besoin de ces 600$-là. Fait que j'essaie de penser à si j'ai des jokes sur le suicide qui fit pour les jeunes de 12 à 16 ans. Puis j'en ai genre une, et c'est quoi la différence entre une lettre de suicide et une lettre de démission? Deux semaines d'avis. OK, c'est... Je sais que ça fit pas école secondaire, OK, mais... Mais là, ce qu'on m'explique, c'est que dans le fond, il y a vraiment un conférencier qui va faire une conférence sur le suicide, puis pour pas que les jeunes partent trop déprimés, ils ont engagé moi après. C'est une mauvaise idée, OK, mais... J'ai pas le choix, puis je me dis, tu sais, Charles, t'as fini l'école de l'humour, t'es un professionnel, ça va bien aller. Fait que, écoute la conférence du monsieur, tu vas trouver des jokes à faire avec ça, puis ça va bien aller. Je vais dans l'auditorium, et le monsieur qui fait la conférence, c'est un monsieur qui est aveugle. Puis il commence sa conférence en disant que lui, à 20 ans, il était pas heureux dans la vie. Il n'arrivait pas à se faire de job, pas à se faire de blonde, pas à se faire d'amis. Fait qu'il a essayé de se tirer une balle dans la tête, et passer de là à là, puis il est devenu aveugle. C'est un moment super intense, OK? Sauf que moi... Je suis parti à rire. Mais OK, je vous explique mon raisonnement. C'est que je me suis dit, pauvre gars, il se dit, je suis pas capable de me faire de job, pas capable de me faire de blonde, pas capable de me faire d'amis. Pau, calisse, ça non plus. Ça a comme créé un malaise dans la salle, OK? Mais je me dis, au moins, il m'a pas vu, OK? Il essaye de rattraper le malaise en essayant de faire une joke. Puis la joke qu'il a faite, c'est qu'il a dit tu sais, quand je suis devenu aveugle, je suis tombé dans un centre pour les sourds, les muets et les aveugles. Et c'est là que j'ai appris le braille et c'était dur à en brailler. C'est un mauvais jeu de mots, mais moi, je suis un humoriste. Quelqu'un qui fait un mauvais jeu de mots, ça me fait rire. Okay? Fait que je ris encore plus fort. Puis je suis tout seul à rire. Mais là, les étudiants, ils sont fâchés. Ils pensent que je niaise le monsieur. Fait qu'ils se retournent tous. Ils me regardent avec un regard méchant. Là. Ils me fusillent du regard. Puis je suis comme, arrêtez de me regarder de même. Là. C'est pas le fun d'être fusillé du regard. Regardez-lui, il a le regard fusillé. OK? J'ai pas dit ça. OK? Mais pour de vrai, je suis vraiment stressé parce que là, il faut que j'aille sur la scène faire des jokes. Puis tout le monde me déteste. Fait que je capote un peu. Mais heureusement, il y a une période de questions. Fait que je me dis, je vais poser une question. Tu sais, je vais avoir l'air sympathique. Je vais m'intéresser au monsieur. Fait que je lève la main. Il la voit pas. OK? Et là. On vient me porter le micro, puis j'ai pas réfléchi à la question que j'ai posée. J'ai dit, la première affaire qui m'est venue en tête, j'ai dit, « Monsieur, pourquoi vous êtes mis le gun sur la tempe, puis pas dans la bouche? » Qui est la pire question au monde. Mais le gars, il était super cool, qui a répondu, « Parce que le métal, ça goûte mauvais, as-tu d'autres questions? » Qu'est-ce que je peux poser comme question? Je dis, le gars, il est bien trop quick, là, tu sais. Mettons que je lui demande, « Monsieur, au moment de l'acte, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? » Il va me répondre, « Une balle. » Fait que, tu sais... J'ai posé une autre question. J'ai dit, « Monsieur, pendant que vous étiez dans votre centre là, pour les sourds, les muets et les aveugles, est-ce que vous avez appris d'autres choses, genre, je sais pas moi, le langage des signes? » J'ai demandé à un aveugle s'il a appris le langage des signes. Puis le gars a juste répondu oui, puis il a fait ça. C'est comme, « T'as gagné, man, t'as gagné, c'est... » J'ai eu des shows plus fun que ce show-là. J'ai participé à l'émission Le Prochain Stand-Up. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté, cette affaire-là? Beaucoup de personnes. J'ai fait une calisse de gaffe à l'émission. J'ai fait un numéro sur ma grand-mère parce que ma grand-mère, c'est ma personne préférée dans le verre. Je l'aime, je l'adore. On a juste un problème avec elle, c'est qu'elle veut tout le temps me donner des cadeaux. Elle est super généreuse, mais elle a plus d'argent à la calisse. Fac. Non, mais elle s'est développée une stratégie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle habite dans une résidence pour personnes âgées. Et elle attend que les gens décèdent. Elle vole leur stock et elle nous donne ça en cadeau. Je suis pas à l'aise avec ça. Je dis, c'est...
C'est rendu que j'ai plus peur à ma fête qu'aller sur le dark web. C'est... Le petit chapeau, il vient de là. OK, c'est... C'est un fernand, ça, là. OK? Mais pour de vrai, à moi, c'était malaisant. T'sais, il a fallu que je dise que j'aimais pas ça, les cadeaux qui puent. OK? Puis ça lui a fait de la peine. Puis j'étais comme, je m'excuse, clairement, je voulais pas te faire de peine. Ces cadeaux-là, j'aime pas ça. T'sais, fais-moi une lasagne comme la semaine passée, ça. J'aime ça, les lasagnes. Fais-moi des lasagnes quand tu veux. Et quand j'ai dit ça, elle a baissé les yeux. Puis elle m'a dit, c'était pas ma lasagne. C'était celle de feu Madame Thérèse. Elle me donnait des restants de restants. Genre, je sais pas si la lasagne était périmée, mais le propriétaire l'était, OK? J'ai fait ces jokes-là à la télé, tu sais, en me disant, il y aura pas de conséquences à ça, sauf que ma grand-mère, là, est tellement fine, est tellement gentille, est tellement incroyable qu'elle s'était dit que ça allait comme m'aider dans ma carrière si elle forçait tout le monde de la résidence d'écouter mon numéro à télé. Ouais! Fait que là, le monde s'est mis à avoir peur d'elle. Plus personne sortait de sa chambre avec des bijoux. Les messieurs dormaient avec leurs dentiers. Le monde avait peur d'elle, là. Il y a quelque chose de triste, c'est que, comme le monde, tu sais, elle a perdu toutes ses amies à cause de ce numéro-là. Mais, il y a quelque chose de beau. C'est que, comme le monde avait peur d'elle, ils se tenaient loin d'elle, mais proches entre eux autres. Et il y a eu des cas de COVID. Il y a eu des éclosions, là, puis tout le monde a pogné le COVID, sauf ma grand-mère. Fait que ces jokes-là, ils ont sûrement sauvé la vie. Puis au nombre de personnes décédées, je vais avoir des beaux cadeaux à ma fête.